Jour numéro 1, c'est parti. J'avais fait ici la dernière fois. Tout est clean. Maintenant, je vais m'attaquer à cette zone-ci. Les plants ici vont rester puisque ce sont des plants de chou-fleur. Donc, j'attends d'avoir des fruits, enfin des légumes. Du coup, je vais juste désherber autour. Je vais couper, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo que je n'ai pas faite, le basilic, le thym, et je vais tout mettre à plat. Au moins refaire cette zone-ci là. Tenter de faire la même zone qu'ici, mais bon, ce sera juste. Et quand j'aurai tout terminé, je ferai cette partie-ci. Comme ça, je pourrai mettre mes fraisiers tout le long là. Et là-bas, je pourrai mettre mes framboisiers et commencer à délimiter les plantations pour l'année prochaine. Comme ça, j'ai pas à mettre du terreau partout. La dernière fois, je vous ai montré qu'en un claquement de doigts, c'était fait. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, elle est là. Je bêche, je bêche, je bêche, je ratisse pour enlever toute la mauvaise herbe. All the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to. Pour numéro 1 terminé, voilà ce que ça donne. J'en peux plus, il fait ultra chaud. En fait, cette vidéo là, elle fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc pour vous, c'est une nouvelle vidéo, c'est genre un nouveau jour, mais pour moi c'est la même journée, depuis ce matin j'y suis. En gros, toute cette partie-ci que j'ai fait dans l'ancienne vidéo, je l'ai fait de 9h à midi. Je suis allée manger et je me suis attaquée ici, sauf que là il fait trop chaud et ce soir ils annoncent orage. Donc je vais m'arrêter à là et on poursuivra demain dans la prochaine vidéo. Le reste, sachant que le reste c'est beaucoup plus rapide, je vais juste aller récupérer la courgette qui est là-bas. Parce que elle est énormissime. Mais le reste là, je m'en occuperai la prochaine fois. Parce que franchement, j'ai fait beaucoup de taf là et il me restera juste derrière là. Pour numéro 2, c'est parti, j'ai reçu des petits colis. Normalement, c'est que des choses que j'ai commandées. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en ressort. Ici, il y a une commande Temu. Ici, c'est un topping pour le gâteau de ambre. Ici, je ne sais pas. C'est la grande surprise. Donc, je vais tout déballer et je vais vous montrer ça. Je commence avec le plus petit colis. C'est donc le topping pour l'anniversaire de Ambre avec son prénom. Comme pour Jade, j'ai commandé avec la même personne. Donc ici, on vous dit toujours que vous pouvez avoir des confettis au prénom de votre enfant si vous le désirez. Moi, c'est pas le cas. Et j'ai écrit le prénom Ambre comme ceci, en bleu. Parce que Ambre, elle aime bien le bleu. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris ce type de calligraphie là. Comme ça, eh bien, elle reconnaît les lettres parce qu'elle a que 4 ans. Et donc ça, c'est pas à jeter, ça vous le conservez pour l'année d'après. Donc moi, il n'y a rien de marqué derrière. Mais après, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez y mettre de la même couleur derrière si vous voulez. Mais moi, j'ai laissé tout blanc. Donc voilà, et ce sera à mettre sur le gâteau que je ferai demain. Ensuite, l'autre colis qui est arrivé un petit peu en vrac et qui est arrivé en retard, ce sont des décorations pour le gâteau de Ambre. Donc elle a choisi le thème licorne. Donc on a des petits ballons comme ceci, je pense pas que ce soit à manger, je vais vérifier. Donc il y a des petits ballons colorés, il y a une petite licorne comme ceci, c'est de la mousse. Donc une deuxième licorne ici. On a l'arc-en-ciel avec le petit bâton éclipsé. Ensuite, on a des petites décos comme ceci, étoile, lune. On a d'autres bâtons ici pour mettre des petits nuages. Ça peut être sympa. Et on a le gros truc Happy Birthday. D'ailleurs, c'est le même bleu, ça ressemble presque, c'est presque le même bleu que celui de son prénom. Donc ça, c'est la petite déco que je vais installer sur son gâteau d'anniversaire demain. Ensuite, concernant la commande Timu, en fait, ce sont des choses qui ont été commandées avec des sous que son parrain lui a donné pour son anniversaire.
ils peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont un nouveau-né et que clairement Bordeaux, de là où j'habite, il y a 2 heures de route et ils se sentent pas prêts à faire la route avec un nourrisson, ce que je peux comprendre. Du coup, il m'a donné les sous, il m'a dit prends-lui des petits cadeaux. Donc je suis allée sur Temu et du coup j'ai pris des petites choses que je vais déballer, comme ça je vais vous montrer, ce sera plus pratique. Je lui ai pris des petites bagues comme sa sœur, mais ce sont pas les mêmes motifs. Là, vous avez des licornes, des chats, des nœuds, des fleurs, etc. Donc, il y a une trentaine de bagues, il me semble. Donc voilà, je pense qu'elle sera ravie. Et ça fait office de boîte à bijoux. Ensuite, ça fait des mois qu'elle me fatigue, entre guillemets. Elle voulait une brosse comme sa sœur. Voilà, donc, qui s'ouvre comme ça. Vous avez le petit miroir. Et ici, vous avez la brosse. Il suffit juste de clipser ici. Et ça fait brosse. Donc je lui ai pris ça et en plus ce qui est bien c'est que de 1 c'est bleu parce que c'est sa couleur préférée et de 2 c'est licorne. Donc ensuite je lui ai pris des petits bracelets comme ceci et il y en a 3 à resserrer derrière, ça se présente comme ceci. Donc licorne, ici étoile filante et ici petit cœur. Donc voilà, trop trop joli. Franchement la qualité elle est dingue. Ensuite, comme pour sa sœur, j'ai pris une boîte à bijoux avec son initiale, l'initiale de son prénom. Donc comme ceci, c'est le même fournisseur ici. Et derrière, vous avez une petite cachette pour y mettre les bracelets ou les colliers. Ensuite, ceci est une erreur. En fait, j'avais commandé ça, enfin c'était dans mon panier et ça s'est validé avec, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose à mettre sur la tête si votre enfant, il veut pas avoir l'eau dans les yeux quand vous lui lavez les cheveux. Donc dans tous les cas, je testerai, je vous donnerai mon retour. Mais bon, de base, il n'était pas prévu quoi dans la commande. Ensuite, je lui ai pris des serre-têtes. Donc on a 1, 2, 3, 5 serre-têtes pailletées comme ceci. Donc je pense qu'elle sera hyper contente. Je lui ai pris ensuite une voiture de Barbie comme ceci, sans la Barbie. Franchement, je pense que ça, elle sera super heureuse. Elle l'a voulu. Dans tous les cas, j'en avais vu à Lidl avec la Barbie. Là, elle est sans la Barbie. Elle m'a coûté moins cher. Et pour terminer, je lui ai pris un déguisement de sirène comme ceci. Donc, c'est une robe. Hein. Vous mettez les pieds qui sortent à travers ici. Comme ceci, et je pense qu'elle sera super ravie. Donc ça, c'est les petits cadeaux pour son anniversaire qui était mercredi pour vous et qui n'est pas encore passé pour moi. Ensuite, direction le cellier. Je vais m'occuper de ranger le cellier. C'est un petit peu le bazar. Il y a le chien, il a fait n'importe quoi là. Ici, c'est encombré parce que j'ai enlevé les choses du bureau que j'ai mis là en attente. Donc, j'ai tout ça à ranger. J'ai ici aussi, c'est le bazar complet. Ici aussi, c'est le bazar complet. Donc c'est parti, je vais faire au fur et à mesure pour ne pas me laisser déborder. J'aimerais bien mettre cette étagère-ci dans le sens là pour gagner un petit peu de place ici. Et plus tard, je pense que je la vendrai parce que j'ai une autre idée en tête pour le cellier qui se fera au fur et à mesure, mais c'est pas ma priorité. Donc je vais commencer par l'étagère du fond. Je vais la vider. Et je vais tout ranger. Concernant le fond du bureau, déjà ça, je vais le mettre à laver ce soir. Donc je vais ranger tout ça. Donc en haut, il y a la caisse qui va pour la cuisine extérieure, mais vu qu'elle n'est pas encore faite, du coup, je la garde ici. Ici, ça commence à déconner. Ici, il y a des trucs, ces caisses-là, là, c'est pas bon pour ça. Il faut que je réorganise autrement. Ici, l'endroit qui les déconne le moins, c'est ici, c'est l'endroit lessive. Après, ici, ça redéconne. Et ici, c'est pire en pire. Donc, je vais virer tout, étagère par étagère, et je vais nettoyer comme il faut. Et en un claquement de doigts, tout est vidé et je nettoie chaque étagère avec une microfibre et du multi-surface que j'ai créé moi-même, vinaigre blanc, eau et liquide vaisselle, dans un fond de vinaigre qui vient de chez Action. Et ensuite, je range chaque étagère. I said, then hold up, precious. I can be a goldsmith, and you a nomad or a tailor. And we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true.
Et quand c'est fait, il n'y a plus qu'à nettoyer le haut du meuble. Donc j'enlève la panière. Ensuite, je prends le produit, j'asperge, je passe la microfibre tout en soulevant ma box et en passant un petit coup sur la box. Donc c'est parti, je vais vous détailler un petit peu ce rangement qui m'a pris une heure, presque et demie. Donc en haut, il y a une boîte où il y a des choses pour l'extérieur, barbecue et une solution de nettoyage avec des gants. J'ai ma box qui est ici. Ensuite, quand je m'avance, j'ai remonté l'étagère pour la machine à laver. Ici, donc j'ai du vinaigre ici, derrière j'ai ma lessive en poudre, ici j'ai de la lessive liquide. Ici, nous avons les petites lingettes anti-décoloration avec du savon au fiel de bœuf. Ici, j'ai du détachant. Derrière, j'ai du percarbonate, du bicarbonate, des cristaux dessous, de l'acide citrique, un détachant et une solution d'adoucissant que je m'en sers pour nettoyer, pour laver les cheveux des Barbies, pour les démêler. Ensuite, ici, c'est la section des produits ménagers. Il y en a énormément. Donc ici, il y a la petite panière avec les chaussettes qui sont à l'abandon, ainsi que les pinces à linge. Ensuite, ici, nous avons une solution dépoussiérante fait maison. J'ai le mobile grill de chez Shogun, que je ne prendrai plus. Il est très, très bien, mais voilà, je vais faire ma petite solution maison. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Ensuite, nous avons le steel grill. C'est pour nettoyer tous les produits qui sont en inox. Voilà. Ensuite, nous avons le Splendivitro. C'est pour nettoyer les vitres. Il m'en reste encore. Et j'ai derrière une bouteille de Fuga Clean. Ensuite, ici, j'ai du peroxygène plus que j'ai acheté sur la boutique de Shogun. Là, c'est les produits Shogun que j'ai acheté. Donc nous avons le produit pour les meubles. Donc du coup, quand celui-là sera terminé, je vais utiliser celui-ci et après celui-ci. Et derrière, nous avons le produit multi-surface. Ensuite, ici, nous avons un produit qui sert à nettoyer, désodoriser les canalisations. Ensuite, j'ai mon Clean Fridge pour nettoyer le frigo. Et derrière, j'ai le Splendivitro d'avance. Il faut savoir que quand il fait beaucoup, il y a beaucoup de soleil, je préfère le Magic Heal Base plutôt que des produits pour les vitres, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai deux bouteilles de produits pour le sol. Donc, j'ai la Flower Sensation et l'autre, c'est avec Sunflower, tournesol, etc. Et j'ai un bocal d'un kilo de poudre pour... C'est de la poudre pour déboucher les canalisations. Ensuite, j'ai du Carolin savon noir. Je l'avais acheté. C'était pas pour faire du ménage. C'était pour faire une barrière à insectes pour le jardinage. J'ai une bouteille de desktop toujours d'occasion. Et derrière, j'ai deux percarbonates de soude pas ouverts que j'ai fait mon petit stock. Ensuite, ici, j'ai du Milton. C'est une pierre d'argile multisurface. J'ai un Zipping Stuff. Et derrière, j'ai deux produits pour nettoyer avec le bicel. Ensuite, j'ai du myrrhe, j'ai des produits pour les acariens, pour les moustiques, les mouches, les guêpes, etc. Ensuite, ici, c'est pour détartrer ma machine à café. Ici, c'est le pot pour déboucher les canalisations qui est déjà entamé. Derrière, c'est du Fuga Clean déjà pas ouvert, pardon. Ensuite, ici, c'est la colle 3G de chez Action pour enlever la colle. J'ai des produits pour cirer les chaussures. Ici, c'est la petite panière du chien. Ici, c'est mes petits produits Everdrop. Comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup moins de place que toutes ces bouteilles-là. Ensuite, ici, on a la panière avec les sacs poubelles. J'ai rajouté, du coup, ça, c'est du film, du papier film et... des sachets de cuisson. Ici, c'est la petite panière où il y a des piles. Là, c'est la petite panière où il y a les éponges. Et là, il y a un peu de tout. Il y a de la javel, il y a de l'eau, embrumisateur. Il y a des petites lingettes dépoussiérantes. Il y a du savon de Marseille. Il y a des lingettes. Ici, c'est la panière avec toutes les serpillières, les lavettes, grosses lavettes, les accessoires aspirateurs. Ici, c'est ma panière de microfibre. Ça, c'est un accessoire que j'ai acheté sur Joom. Et c'est pour nettoyer sous vos meubles sans les déplacer, pour nettoyer dessous sans les déplacer. Et j'ai mis le seau juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez bien rempli. Le but va être de vider un maximum de choses ici et donc de ne plus rien acheter concernant les produits ménagers.